Good morning, allez, Iden, les tuyaux aujourd'hui le Nishmat Moshe Michael ben Machlouf, Amram Yuna ben Chana, Peggy bat Esther, Nissim ben Ahuda et Sarah bat Chana Rachel. Si vous souhaitez aussi l'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Avodah Zara, Perek He Mishnah Vav. Baleshet Goyim Shinichnesa La'ir Bishat Shalom. Chaviot Ptuchot, Asurot, Stumot, Mutarot, Bishat Milchama. Elu va elu mutarot le fi she'en penai lenasech. Baleshet, c'est Baleshet goyim, on parle d'un régiment, un groupe de soldats qui sont de goy, bien sûr, qui sont entrés dans ma maison. En réalité, le mot baleshet vient précisément du mot recherché. C'est des gens qui fouinent, qui se permettent, c'est-à-dire concrètement, on parle de, vous imaginez bien, les militaires qui peuvent entrer et se sentir comme à la maison et faire ce qu'ils veulent de ma maison, étant donné qu'ils ont, sont protégés par le roi, ils ont la loi qui les protège, et donc ils rentrent chez moi, ils peuvent se permettre de tout toucher. Et la question est de savoir, est-ce qu'ils se sont permis de toucher? Est-ce qu'on va soupçonner qu'ils ont touché à mon vin et l'ont rendu à Ineser ou non? Et il y a plusieurs paramètres qui vont entrer en ligne de compte. D'abord, tout d'abord, la Mishnah va nous distinguer deux types de baléchettes, de régiments qui entrent. Ça dépend s'ils entrent en période de guerre ou en période de pseudo-shalom, comme c'est fréquent lorsqu'il peut y avoir des opérations d'entraînement, par exemple. Donc du coup, ils vont venir dans mon quartier et ils vont me caser 5 soldats qui vont entrer chez moi. C'est pas la guerre, mais ils viennent malgré tout pour des entraînements. Et ils se sentent, bien sûr, tout permis. Ils vont faire plusieurs choses, mais c'est pas la même chose. C'est pas le... Ils vont pas avoir les mêmes réactions. Si toutefois, on est en période de guerre, ou en période de guerre, ils vont plus craindre d'un coup, il va y avoir une attaque ennemie, et de ce fait, donc, on considérera différemment, regardez. Ben, l'échec goïm, donc, un régiment de goïm, Shinichnesa la'ir, qui est entré dans la ville, Bishat Shalom, en période de paix. Ils sont venus pour entraînement, en mission spéciale, mais rien de... aucune guerre. Alors, dans ce cas-là, s'ils sont venus chez moi à la maison, Chaviot Ptuchot Asurot, si toutefois, j'avais des tonneaux qui étaient déjà ouverts, et qui étaient juste fermés avec un bouchon, alors ces tonneaux seront interdits. Parce que logiquement, un goy va se retrouver avec du vin, tous les coups sont permis, il va se permettre dans le bouchon de le rendre à une dessert, de le sacrer en l'honneur de sa avodah zara et de refermer le bouchon. Donc dans ce cas-là, je ne pourrai plus, moi, boire de ce vin. Tandis que stumot, mutarot, si les tonneaux sont complètement fermés, alors on va se dire que le goy ne s'est pas permis de toucher. Je précise un point très important, par rapport au Mishnayot précédent, justement, bien qu'en général, lorsqu'on laisse un goy suffisamment de temps pour qu'il puisse ensuite refermer proprement le tonneau, alors le tonneau devient interdit. C'est-à-dire, on apprenait dans les cas précédents, par exemple, si j'ai laissé le goy, dans certaines configurations, je lui ai donné 40 minutes, par exemple, il a été tranquillement pendant une bonne heure chez moi à la maison, où il avait le temps d'ouvrir le tonneau et de le refermer, et ensuite d'étaler plein de mortier proprement pour bien refermer, de manière à ce qu'on va voir. Rien, on va pas pouvoir voir qu'il a touché à ce vin. Alors on apprenait que, en temps normal, le vin devient interdit. Et bien là, spécifiquement pour le régiment de soldats qui débarque, eux ne vont pas se prendre la tête à refermer. Ils n'ont pas lieu de se soucier de refermer proprement les tonneaux. S'ils ont eu envie de l'ouvrir, ils l'ont ouvert et puis ils l'ont laissé ouvert. Donc de ce fait, lorsque je viens et que je vois que le tonneau est parfaitement fermé, je ne vais pas soupçonner qu'ils l'ont peut-être ouvert et qu'après ils l'ont refermé. Parce qu'ils n'avaient pas lieu de le refermer, ils n'avaient pas peur de moi. D'accord? Donc de ce fait, si je remarquais un tonneau complètement scellé, fermé, alors c'est sûr que le goy ne l'a pas touché, donc c'est un scellage pour le boire. Tandis que donc, les tonneaux qui étaient ouverts, alors je vais craindre qu'il les a touchés. Précision importante, c'est précisé par le RAN. Et même si toutefois, il y avait un bouchon sur le tonneau, et que je reviens et que je remarque qu'ils ont remis le bouchon, alors on pourrait se poser une question. Pourquoi il y a le bouchon? Pourquoi ils ont remis le bouchon? Si toutefois il s'était permis de toucher ce tonneau, peut-être qu'il l'aurait laissé ouvert. Alors la Mishnah me dit non, puisque l'usage, c'est que chaque fois qu'on ouvre une bouteille, on la referme naturellement, même s'il n'est pas obligé de le faire. Il n'a vraiment pas peur de moi, il n'a aucun problème à laisser le tonneau ouvert. Mais malgré tout, peut-être que machinalement, il a refermé le bouchon, de ce fait. Donc si le tonneau, je le retrouve, ça peut être très fréquent, imaginez en fait. Concrètement, vous laissez un goy chez vous, ça peut se traduire comme ça. Vous laissez un goy chez vous, vous avez une bouteille de vin ouverte, alors on va craindre qu'il a peut-être touché le vin, qu'il a remis le bouchon, même si le goy se sent entièrement, tous les coups permis, d'accord, se sent tout permis chez vous à la maison,
pour X raison, parce qu'il est là au nom, au nom du roi, et ben malgré tout, si toutefois on va craindre qu'il a touché n'importe quelle bouteille de vin et qu'il aurait machinalement refermé le bouchon, c'est clair. On continue par contre. Si c'est en zone des bishat milchama, en période de guerre. Alors en période de guerre, le goy, il est stressé que d'un coup il va y avoir la sirène, l'attaque ennemie. Donc pour le moment, il est là, il est sur le qui-vive, avec sa mitraillette dans les mains. Peut-être que d'un coup on va l'appeler. De ce fait, elu va'elu mutarot, les fichéen pnaï le nasser. Même les chaviot, les tonneaux qui ont déjà été ouverts, ils sont encore permis à les boire. On va pas soupçonner. Si le goy, il a dû monter chez moi à la maison pour monter la garde depuis ma fenêtre, pour surveiller qu'elle n'allait pas avoir une attaque. Alors, et que je l'ai laissé finalement tout seul à la maison, et que j'ai laissé une bouteille en cuisine qui était fermée là-bas, machinalement avec un simple bouchon, je n'avais pas soupçonné que le gars est parti toucher ce vin. Pour quelle raison? Les fichéen pnaï le nasser. Il n'y a pas le temps lorsqu'on est à la guerre, on n'a pas le temps, le gars n'a pas le temps, même moralement en tout cas, ne va pas se permettre de partir taire du vin. Il y a une nécessaire et rendre le vin, donc interdire le vin, sacrer le vin en l'honneur de sa avodah zara, étant donné qu'il est pour le moment préoccupé par l'attaque ennemie, à condition bien sûr que la bouteille, elle était telle quelle. Si elle était déjà ouverte, et que je la retrouve ouverte avec un bouchon, je la retrouve la bouteille ouverte. Par contre, si j'avais une bouteille qui était fermée et que je retrouve une bouteille ouverte, alors là c'est sûr que le goy, malgré la garde, il est parti picoler un petit peu, il a ouvert le vin, et donc dans ce cas-là, il a probablement sacré pour la avodah zara. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.